One two radio check. Ah, bonne question, je sais pas ça, tiens. Ouais. Non, non, bah y a des chances puisque j'étais dans mon casque. Donc si ça t'embête pas. Ah bah comme ça on sera deux noobs, donc bonjour le bonjour des noobs. Alors ta 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 ta. Alors qui est le monsieur? Il est là. Completed, voilà. Et nous étions à amis et groupes privés. Nous rejoignons, même si groupe, le groupe de Trudnik. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Commencer, et oui, dans un groupe privé, le groupe où Monsieur Trudnik. Hop. Ça charge et me voilà l'espace. Je cherche à aller livrer du matériel sur la charmante station de Tao Doseti. Cœur de la galaxie. Oh, elle est belle la galaxie. Je l'ai déjà dans cette destination. C'est bon. Alors. On peut stocker des trucs dans... Tu peux stocker des trucs sur certaines stations en vue de l'utiliser plus tard, ouais, si c'était ça ta question. Schéma, il me reste 12 sous à faire. Bienvenue dans l'univers des sous hyperspatiaux. Avec Schéma, tu vas être au point. Un petit peu plus d'un. J'espère que le casque
c'est mieux que la dernière fois sur Gazelle. Middle of nowhere. Bon. Et le prochain, c'est... Ok, et niveau carburant, j'en serai à la moitié pour celui-là. Bon. Et le FSD n'a pas fini. Bientôt fini. Ok. Jamais des marchandises sur tout machin quelque chose pour se faire des provisions. Hop. Alors. Heureusement que tu es là pour apporter ce supplément culturel. Alors. Ah bah oui. Qu'est-ce que je vais rajouter? Si on passe trop près, je vais venir. Là, on a un peu de
prochaine station Hert. PRL comme dans Basselter Galactica. Excellente série au demeurant. Ça doit être passionnant à regarder le gars qui fait des. Et après. Ah ouais. Alors. On fera un petit stop à la station Total. La carte totale de la boîte et on part de plus. Le passage hyperespace, ça fait assez stingue. Ah oui, non, c'est vrai que c'était ouais, ça... C'est peut-être. C'est pas que les petits photons que tu utilises aussi, ça se trouve. Quel est le coup, t'as mis des planètes au milieu de l'espace. Essayez de ne pas laisser traîner nos planètes. Ouais, voilà. Ah, quelle idée. Un peu trop d'acidité. Un peu trop de ces fours à micro-ondes géants. Thank you.
Et pour info, le vaisseau là, c'est un ADR. Le vaisseau va voir assez rapidement. Baisse le son de toujours. Le son de toujours. Bien, monsieur. Juste que je trouve comment on fait. Check, check, check. Je pense pas que ça soit ça. C'est plutôt le son du micro. Donc, il y a un taquet. Je vais le faire si je baisse comme ça, alors, peut-être. Audio du bureau. Ok, son du jeu baissé. Et j'attends le retour d'information. Là, je peux peut-être monter le gain en dB. Ouais. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il en dit le chef? Mais on n'entend plus le moteur du vaisseau. Monte le gain de son micro. Bien, monsieur. Donc ça remonte le moteur et le gain du micro justement. Voilà, passer à 3. Ouais, on va mettre 2, on va voir ce que ça donne. Voilà. Ah, c'est pas ça. Ok, alors, en tout cas, en attendant, ici, c'est tout bon, allez. Température correcte. La trajectoire avant tout. Tout le reste passe après. Voilà. De la trajectoire, une fois que la trajectoire est on a plus chaud. Allez, un peu plus de 4 dB de gain. En espérant que ça va pas brailler n'importe comment. Mais on saura faire rebrailler. Tac. Plus que 5 sous, mais on avance. Attache. Je gravite. Ok, FSD, ok. Est aligné, hyperdrive. Attention pour le top. C'est quand même bien, c'est récupéré tout le monde.
Et... Badame. Alors on va aller vérifier que on n'a pas perdu. Et si j'ai pu perdre un peu. J'ai perdu. Ah, scrogneux. Bon allez hop, plus que 4 sauts et on est pas mal. Allez, direction Wolf 1449. Ah merde. La flûte. J'ai oublié de le mettre. Ici. Cible la ligne et hyper drive en cours de chargement. Attention pour le top. C'est quand même pratique ces menus qui s'ouvrent. Oh. T'as un traquier toi tu... C'est pas mal parce que enfin, le traquier tu as les menus qui s'ouvrent en tournant quand tu tournes la tête. Si je tourne la tête à gauche, etc. J'ai les menus qui s'ouvrent rapidement pour les destinations et tout. C'est pas mal ça. C'est un 16 000 que ou ouais le. Ah bah disons faut être patient quoi. Quand tu vois que le truc là mec, ça prend 300 jours. Ah oui, bon bah à lundi alors. T'es 2, t'es en quoi? T'es en navigation supra Ouais. Alors, normalement 2,3 jours, c'est en effet ce qui est indiqué, mais ça doit varier parce que t'as ta vitesse qui varie également. Encore deux sauts, le carburant est pas mal. Bon, je crois que... Ah, au passage, le prochain est à midi. On est hors du champ de gravité. La température va grimper par activation. It is parti. Ouais, c'est vrai que ça peut prendre du temps. Hein. Ça peut prendre du temps. Tiens, d'ailleurs, il faudrait que je fasse ça. Vu que t'es en ligne. Chaque chose en son temps. Okay.
Pourquoi je t'ai pas dans les... Pourquoi je ne te vois pas, Xib? J'aurais pu faire un... Ouais. Mais on doit pas déjà être dans le... Ouais. Allez, 3, 2, 1, ready for last jump. Proceed. Proceed, dingue. T'es à combien de temps là? Et ça descend pas? Ouais, enfin c'est ballot. C'est ballot. Et c'est bien sur une planète à l'intérieur du système hein, que tu te déplaces. Parce que dès que c'est hors du système, tu peux... Ah c'est vrai qu'ici il n'y a pas grand chose quand même. Porte. Non, c'est... Vu qu'il est pas là, s'il y a un truc qui va pas, on peut le dire, c'est de la faute à trop. Voilà. Hop. Est-ce que t'es à quelle distance de ton objectif? Ah. Ah bah oui. Ouais. Ah bah moi j'ai perdu un vaisseau parce que je... Ah, deux petites secondes. Ouais, j'ai perdu un vaisseau parce que je me suis retrouvé... Comment dire? Je me suis retrouvé à court de carburant avec des étoiles où je pouvais pas ravitailler. Donc voilà, le gros malin. Bah j'ai... Tu sais, quand tu fais des sauts, alors déjà, il faut avoir un ravitailleur, enfin, un, je sais pas comment ils appellent ça, un récupérateur de carburant, si on veut, pour éventuellement récupérer l'énergie d'un soleil, sinon t'es obligé bah, d'en acheter à la pompe. Mais tu peux pas récupérer sur tous les soleils. Et moi, je sautais de zone en zone sans trop faire gaffe, et j'ai fini dans une zone où j'étais avec des soleils, je pouvais pas ravitailler quoi. Donc j'ai fait clear la tâche de trop loin, enfin, j'ai recommencé depuis le début. Voilà, il convient d'être prudent. Ok, désactivation. Là, l'entrée, là-haut. Zorgon Peterson, Golf Romeo India, FFC Channel Open. Submit a request if you wish to dock at this facility. Demander un portage.
plateforme 27. Approve for access. Make your way to landing pad number 27. Alors, donc, nous approchons de la station Porta. A warning, Commander. Et weapon fire restrictions are in place here. La vitesse légèrement basse, mais je préfère ça. Le train, on le sortira une fois rentré. Un trafic à midi. Alors d'habitude, je réussis assez bien, mais comme là, la diffusion, je prends viandé. Sinon, it is not fun. Hop. Ok, allez, les câbles, on s'en fout. Vendre ce qu'on a en stock. Le café, j'en ai pas beaucoup. Ça crée une neve, ça, en effet, avec les trucs qui viennent de loin. Et voilà, j'en avais que deux. On va y arriver, deux. Vous voyez. Et après. Un bénéfice de 128 000. Bon, c'est pas mal ça. Alors, maintenant, pour l'instant, voyons voir si il y a des choses sympas pour customiser mon super modèle. Ça, je vais déjà être attaqué. M'intéresser particulièrement. C'est un récupérateur de carburant. Est-ce qu'il y aurait du mieux? Parce que c'est bien ça. Récupérateur de carburant. J'ai déjà un 2A. Ça m'étonnerait que j'arrive à trouver. Non.
The Mission. Alors, qu'est-ce que je peux faire? 18 000 crédits, pof, pof. Le minage, c'est pas mon truc. Livraison de 17. Bah non, c'est le truc pas loin. Apportez-nous 4 unités de la marchandise vivante, de viande. Pas de la viande là. Oui. Tableau d'émission. Monsieur, il veut de la viande. 4 unités de viande. Ah, porta. Ah bah, j'accepte. Voilà. Et là, je vais juste faire les courses au marché. Il m'a dit qu'il en voulait 4. J'espère que je me suis pas grouté dans ce que... si, il y en a pas. Il y en a pas. Je suis trop bête. J'ai mal regardé mon truc. C'est pas mal. Bon. Jouer les cow-boys. Tableau de mission. Après toutes les histoires de factions et tout, c'est vrai que là, ça je maîtrise pas encore. C'est la fédération, ça va, ça va être ok. Ouais, on va pas jouer avec le cartel. On va pas jouer avec lui. Là j'ai pas assez. Là j'ai rien. Là. Livraison de données. 13 années de lumière. Bon, c'est pas très loin. 32 000. Bon. Allez, on va faire ça. Laurent Courtier a porté les données à... Ah tiens, l'anneau de Quimper. Ça se passe en Bretagne. Alors, c'est un rang supérieur, mais on va regarder LHS 21. C'est quand même pas loin. Hein. On va pouvoir le faire en un coup, ça. Oui. Allez. Vendu. Accepté. Allez, on y va. Alors après, peut-être qu'il peut être utile de garder ici le panneau de mission. Warning. Access to this station is by authorization only, Commander. Exit the facility immediately. Ouais, j'ai pas trouvé l'option contre Amatmut dans les menus.
4. Non, c'est 1. On est toujours dans le champ gravitationnel. Landing gear deployed. HS-21, non, il est déjà sélectionné en. Il appartient aux indépendants, aux technologies raffinage, etc. etc. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Ça, on s'en fout. Ça, c'est ce qu'il arrive. Ok. Analyse de vaisseau. HS-21. Allez hop. Ah non, train d'atterrissage. Bon ben. J'arrive à Van Allen. Ok. On va dégager de l'étoile. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le secteur ? Carte du système. Ah, oh, ça va ? Monsieur est comme ça. C'est qu'un pays. Crook Orbital. Ah bah oui, c'était marqué dessus. Puisque je suis bête, j'ai le petit symbole de planète qui m'a dit que c'est là ma destination. Caper. Destination indiquée. Ok, allez-y.
cassé là, le Brest. Désactivation. Alors, l'entrée est la de l'essence anti-horaire. Ah bah 16, ouais juste. Hop. Mission disponible. Ça, éliminage.
77, 755, c'est vraiment à côté. Bah d'ailleurs les trois. C'est quoi ce contrat de récupération? Ah, les trucs avec les sources du signal, tu peux tourner longtemps avant de réussir à les trouver. Faire ça et puis après on mettra la clé sous la porte, enfin on pliera les gaules plutôt. Donc on a accepté la livraison à Rand City dans V491 Persec. Dans pas mal de trucs on va partir sur les tiens, allez on va se prendre un peu sur le computer, on va quand même vérifier avant que on a dit Rand City. Alors, Rand City. Qu'est-ce qu'ils ont interdit ? Des agents neurotoxiques stabilisés. Ah ça fait ouais tu l'apprécies hein, ça fait cher le Nespresso hein. J'espère que t'as au moins le sucre à ce prix là quoi. Et que t'as le petit gâteau avec. Thank you.
Et donc, let's go maestro. Ah bah bravo. Alors tu sais qu'après il faut vérifier si c'est, enfin c'est mieux de vérifier si c'est pas interdit dans le système dans lequel tu le livres. Parce que tu peux avoir par exemple des bandits ou des choses comme ça qui te livrent à moitié des trucs de contrebande. Et alors après je connais pas les détails, mais tu peux te retrouver avec des marchandises considérées comme illégales. Ah voilà. ok, allez on est parti. Quitte. Décoller. Allez, d'accord, je jette un œil et je vois les commentaires de notre cher Belgique. Marie-Mi, ouais, je t'épouse quand tu veux, Belgium. What else? Bon, allez. Ah là là. Je te jure. Bon, oui, je sais plus où je vais, moi, avec toutes ces conneries. Grand City, machin chose, là. Alors, tac. Et monsieur, normalement, s'il est gentil, il a mis un petit truc. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, voilà, 411 percés, c'est ça. 411 percés. Et là, je vais activer le réacteur. Et je peux pas parce que je vais pas rentrer sur la DSF. Yes, c'est bon, on peut y aller cette fois. C'est énorme ici. Ouais, il y a un peu de latence, ouais, je sais pas pourquoi. Et ça saccade aussi un peu. Le jeu est fou, mais il est sur le clac clac. Quasi total sur les subtilités qui amènent à une diffusion agréable. My bad. Voilà la boîte qu'on cherche, que je recherche, celle qui va me permettre de toucher le backdoor. Donc qui n'exclut pas la possibilité de s'en prendre à moi et à mes maigres ressources. Vite fait sur Rat City. Ah oui, bah oui, c'est forcément la seule et elle est déjà sélectionnée. Donc c'est comme ça. Hop. Allez. Rat City. Décélérer. Ah, ça y est, on peut faire
un over, tout ça c'est très bon. Si justement remarqué, ainsi que tout à l'heure notre expert collègue Timof, l'effet Stargate est à souligner en état actuel des connaissances. C'est quoi ça? Ah, foiré. Le vecteur. Okay. Vecteur des mouvements. Ouais, si j'étais un peu joueur, j'essaierais de. Ah oui. Ah bah c'est sur la perfection. C'est n'importe quoi. Allez, on va aller vers l'arrière. Ok. Deux. Ah c'est un double. Oh. Eh mais c'est qui le même à l'hiver quand même. Activer les systèmes, les moteurs. Système. Pas cher de ma pauvre peau. Alors maintenant, retour Grand City. Grand City. Ça a l'air de bien saccader quand même, c'est moche. Pourtant j'ai 1060, donc un point fixe à peu près. Ça devrait aller quand même. J'ai la connexion à fibre. Bon. C'est parce que ça vient de l'espace. Voilà, voilà, bon, bref. S'enfuir en super navigation, c'est quand même des solutions à envisager et à ne pas découvrir. Ouais, exporte. Ouais. Quand tu ça exporte vers un système, là, tu peux dire que tu vas faire des recherches. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, non, 4. Oh,
Ok, 7-5, 7-5. Cible, Round City. Request landing. Access granted. Proceed to landing pad 2-9. Deck 2-9, redeveur. Inbound. Est-ce que c'est moche ma façon d'approcher le Berk? C'est dans le trafic, c'est bon. Et voilà. T'étais service spatiaux. Bon, service spatiaux. Bienvenue sur Front City. Merci. C'est Michel. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Quel blaireau. Eh ouais. Puisque j'ai acheté des trucs au marché, j'ai saturé mon espace et je n'avais plus d'espace a priori pour la mission. Donc je suis venu à vide. Bien joué. GG. Parfait. Continue comme ça, camarade. Bon, allez.
Ouais, non mais je peut-être a priori il fallait emmener les enfin j'avais une mission, il fallait que j'emmène des composants et je me suis dit bah je vais en profiter pour aller vendre des trucs. Et en fin de compte ma cale était déjà pleine. J'ai l'impression, je vais vérifier ça. Et pour le coup j'ai pas hein, j'ai fait le ce qu'il y avait à faire, mais sans cargaison de vaisseau électronique en public. Bah si je les ai. Ils sont là? Pourquoi il veut pas? J'ai encore rien compris. Livrer les marchandises à Rand City. Bien Rand City. J'ai bien le matériel. Mais non, on s'en fout. T'as quel service ça se passe? Pourquoi j'ai plus la main? Qu'est-ce qui se passe? Ah voilà. Bon bah. C'est bizarre, tant que j'avais pas livré. Vous êtes vraiment un exemple à suivre. Oui, je sais, on me le dit souvent. Ta 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 ta. Toute modestie mise à part. Alors, ça, c'est bon. Les autres missions, on verra plus tard. On va vite réparer, faire les points. Ok. Regardez. Si. Il y aura vite fait des petites choses pour les optionnels. Récupérateur de carburant, est-ce qu'on a du mieux ici? Bon, alors ça peut être un peu. Actuellement j'ai un 2A, ça va être difficile de. Bon, allez. Bon, eh bien, on va. Le son du jeu pour gagner en son micro. Ah ouais, mais je suis une quiche avec ça, j'ai beau les bouger dans tous les sens, j'y arrive pas bien. Il faut que je prenne le temps de me pencher sur les différents réglages. Soit augmente celui du micro. Pourtant je croyais que c'était mieux déjà. Check, 1-2, 1-2. Alors. Bon, ouais, c'est pas la peine d'embêter les gens avec des trucs comme ça. On verra ça plus tard. Eh bien, on va s'arrêter là. See you later, en espérant que ces histoires de micro seront mieux la prochaine fois. Ciao, ciao, ciao.